On le sait, l'histoire des sciences est truffée de découvertes qu'on attribue à la chance. Mais comme le disait Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Henri Becquerel fait partie de ces scientifiques dont le talent a été récompensé par la chance. C'est un physicien brillant, issu d'une famille de scientifiques. Son père a Félix, il a Félix, et son fils a Félix. Comme son père, Henri Becquerel s'intéresse à la fluorescence. La fluorescence, c'est cette capacité qu'ont certains matériaux à émettre de la lumière dans certaines conditions. À l'époque, les rayons X viennent d'être découverts. Ils sont invisibles, et pourtant ils font réagir le papier photo comme le ferait une lumière très intense. Becquerel est intrigué par cet étrange comportement lumineux et se met alors à s'y intéresser avec sa casquette de spécialiste de la fluorescence. Il décide de réaliser des expériences avec un matériau très fluorescent qu'on appelle l'uranium. Oui, l'uranium. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais au départ, on l'utilisait parce que c'était fluo. On en mettait même dans de la vaisselle pour lui donner de la couleur, et on n'avait pas la moindre idée que l'uranium avait d'autres propriétés. Pour ses expériences, Becquerel prend donc des sels d'uranium, les met en condition pour qu'ils soient très fluorescents, et regarde si le papier photo réagit, comme pour les rayons X. Et effectivement, ça marche. Il continue ses expériences jusqu'au jour où il laisse de l'uranium non fluorescent avec un papier photo dans le noir complet. Et le papier photo réagit malgré tout. Il réalise que le papier photo ne répondait pas à la fluorescence de l'uranium, mais à autre chose. À la radioactivité. Voilà, le mot est lâché. L'uranium n'émet pas simplement de jolies couleurs après avoir été exposé à la lumière, il émet continuellement un rayonnement invisible et puissant qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qui faisait réagir le papier photo. La découverte excite la curiosité de jeunes chercheurs, dont une certaine Marie Curie, qui décide d'en faire le sujet de sa thèse de doctorat. Le projet est tellement passionnant que Pierre Curie, son mari, délaisse ses propres recherches sur le magnétisme et vient la rejoindre. Il n'imagine pas encore les effets de la radioactivité. Pierre et Marie Curie isolent le radium, un élément plus actif encore que l'uranium. Becquerel en emporte un tout petit échantillon, le met dans sa poche et se brûle profondément. Même mésaventure au bras pour Pierre Curie. À chaque fois, la plaie met 6 à 8 semaines à guérir. Pour leurs travaux, Henri Becquerel, Marie et Pierre Curie reçoivent en 1903 le prix Nobel de physique. Henri Becquerel meurt 5 ans plus tard, à l'âge précoce de 55 ans. En son honneur, on baptise Becquerel l'unité qui mesure l'activité des matières radioactives.